On ne parle que de ça et on ne parle que de nouvelles stars depuis 8 semaines maintenant en partenariat avec D8. Et ça y est, la grande finale est arrivée et en plateau avec nous, MJ et Mathieu, les deux finalistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À quoi vous avez pensé quand on vous a annoncé que vous étiez en finale? À qui et à quoi avez-vous pensé? Je sais pas, sur le coup, moi personnellement, j'ai pas trop pensé à grand chose. En fait, j'ai pas réalisé sur le coup tout de suite. J'ai pensé à ma sœur, direct, ça c'est sûr. Et vous, MJ? Moi j'ai été soulagée un petit peu. Waouh! Et voilà, après, heureuse et puis triste pour Martial, de toute façon, c'était n'importe qui, c'était un crève-cœur de toute façon de voir partir n'importe qui là. Mathieu ou Martial, ça aurait été dur dans tous les cas. Et puis, j'ai pensé un petit peu à tous ceux qui soutiennent depuis longtemps, quoi. Vous allez le vivre comme une compétition entre tous les deux, cette finale? Non. Moi, je pars pas de ce principe, en fait. J'ai juste envie qu'on s'éclate sur scène et que le meilleur gagne, quoi, dans tous les cas. C'est le choix du public. C'est ça. Et c'est juste, nous, on est là pour montrer notre univers, pour se donner à fond. Donc, je le vois plus comme ça, en fait. Ouais, puis on est épatés, en fait, à chaque fois, de regarder les prestations de l'autre en disant, t'as tout déchiré. Ouais, voilà, cool. C'est plutôt du soutien mutuel aussi. Voilà, je pense qu'on veut tous les deux la première place, c'est évident, mais il n'y a pas cette rivalité, en fait. Vous ne pourriez pas considérer que c'est déjà bien d'être arrivé là et vous en contenter? Bien sûr. Vous voulez gagner? Non, qu'est-ce qui vous motive profondément? C'était pouvoir montrer mon univers jusqu'au bout, être là à fond et en fait, vraiment, juste m'éclater sur scène, quoi. Ça symbolise quoi pour vous de gagner, finalement? Parce que vous avez montré ce que vous dites. Vous l'avez déjà montré, vous l'avez prouvé. Mais pour moi, c'est pas grand-chose, en fait, de gagner, quoi. Moi, je voulais vraiment arriver là. Et en fait, voilà, j'ai pas de but particulier pour ça. Et vous, ça représente quelque chose de fort, d'important, si vous gagnez? Ouais, parce que moi j'aime bien aller vraiment jusqu'au bout des choses. Je suis un peu guerrière dans le sens où j'aime bien aller au bout, au fond des choses. Et donc, je pense que dans tous les cas, je serai contente. Hein, voilà, même si je ne gagne pas, et que c'est Mathieu, je serai très heureuse pour lui. Et si je gagne, je serai complètement heureuse. Voilà, donc. Vous êtes tous les deux pratiquement sur pas la même longueur d'onde, mais on vous a reconnu vos talents de chanteur. Vous avez le pouvoir extraordinaire de toucher énormément le public et le jury. Vous donnez des frissons, il vous l'a dit souvent, Sinclair, hier. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous, finalement, ce soir? C'est compliqué. Il y a un tas de choses, quoi. Quelle carte vous allez jouer, par exemple, Mathieu? Je sais pas vraiment, en fait. Ça dépend vraiment de l'interprétation des chansons, des chansons qu'on va chanter, comment on va les sentir. Et vraiment, ça va être question de ça, en fait. Ça joue vraiment sur le moment, en fait. Même pendant les répétitions, il y a déjà un état d'esprit, il y a forcément une direction un peu artistique qui a été prise lors des répétitions. Mais ça peut vraiment basculer lors du direct. Ça dépend de comment on ressent la chanson sur le moment. Qu'est-ce qui pourrait vous faire échouer? De quoi vous avez peur, par exemple? Il y a toujours un petit côté de trac, un peu de pression comme ça. Et en fait, avant de rentrer sur scène, il y a des tas de questions qui se posent. Soit ça s'efface d'un coup en commençant à chanter, soit des fois ça reste et du coup les doutes s'installent un peu. Mais c'est la seule chose encore qui pourrait jouer en défaveur. Quelque chose qui vous fait peur, MJ? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des choses qui vous font peur. Il y en a un tas. C'est que je cache et je contiens beaucoup, mais beaucoup de choses qui m'effraient. Moi, c'est les textes, parce que voilà, c'est très compliqué de retenir tout ça avec la masse de travail qu'on a eu. Donc voilà, ce serait le côté texte, moi, qui me...
Après, le tout, voilà, c'est vraiment de sentir le chose, d'arriver à s'évader pendant la chanson. L'idéal, c'est vraiment d'en oublier soi-même les paroles parce qu'on les connaît et puis de vivre le truc vraiment pleinement. Et puis, c'est là que les émotions, elles sortent, en fait. Donc, le but ultime, c'est d'arriver à ça, à s'oublier pendant qu'on chante, quoi. Et de laisser simplement... Lors de la demi-finale, vous avez livré un show extraordinaire sur Amazing Grace. Vous avez vraiment tout envoyé. On se demande jusqu'où vous allez aller. Vous-même, vous savez jusqu'où vous pouvez aller ou pas? Non, parce que moi, c'est un peu coup de poker à chaque fois, quoi. Je laisse sur Amazing Grace. Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'improvisation d'ordre vocal. C'est vraiment de sentir le truc et puis de lâcher une note. Vous étiez accompagnée d'un gospel derrière vous. Du gospel, donc en plus j'ai pu répéter vraiment qu'avec eux, pas vraiment avant. Et puis pour eux c'était réciproque, donc il y avait vraiment eu un échange entre eux. C'est le cœur qui me suivait, il n'y avait aucun repère de clic ou quoi. Donc, c'était que dans la sensation. Et donc c'est ça qui a donné un petit peu l'intensité au morceau entre eux et moi. C'était vraiment un échange. Donc ça, c'était très, très fort. Très fort. Pour tout le monde, je crois, vraiment. Oui. Pour eux, pour moi, pour ceux qui ont pu regarder la prestation. C'était un grand moment pour tout le monde, je crois. Et moi, la première. En ce qui vous concerne, Mathieu, vous aussi, les jurés n'ont pas tari d'éloges sur votre prestation d'hier. Ouais. On a beaucoup parlé de votre évolution au fur et à mesure des primes, votre maturité. Même votre maman a souligné à quel point vous avez changé, vous avez grandi. Vous sentez, vous, cette transformation qui s'est instaurée en vous ou pas? Ouais, carrément. Depuis le début des auditions, quoi. Enfin, le truc, ça m'a... J'ai complètement foiré mes épreuves du théâtre et puis ça m'a permis vraiment d'évoluer. Les conseils du jury, ils m'ont vachement aidé. J'ai vachement pris sur moi. J'ai beaucoup écouté ce qu'on m'a dit de corriger tout ça. Et au final, ça m'a permis aussi de me découvrir un peu, de me lâcher. Vous vous surprenez vous-même dans ce que vous faites? Cette semaine, ouais, en tout cas, je me suis mis à... vraiment à fond et une fois qu'il y avait le gospel derrière aussi, ça m'a permis de... Vous a transcendé. Ouais, voilà, je sais pas. C'est vraiment, comme a dit MJ, c'est une connexion, quoi. C'est un truc, on établit un lien pendant la chanson et quand on se met dedans, c'est juste, on a envie de tout donner, quoi. D'ailleurs, si je peux me permettre, je remercie le gospel, hein, le cœur sur la colline, là. C'était vraiment cool, le gospel sur la colline. C'était vraiment cool d'être venu, quoi. C'était au top. Alors, pour la finale ce soir, il n'y aura pas de gospel. En revanche, on m'a dit qu'il y allait avoir quelques surprises et des chansons inédites. De quoi s'agit-il? Si vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Il y a une grande part de mystère quand même qui sera à découvrir, sur le Prime. C'est des chansons qui ont été proposées vraiment spécialement pour nous. Donc chacun de vous va chanter une chanson inédite, c'est ouais, ça une chanson qui aura inédite, été écrite pour vous. Qui sera du coup un single original. Original, voilà, pour chacun d'entre nous. Ouais. C'est la première fois, je crois, qu'ils font ça. Enfin, ça va être... Ça va être sympa. Inédit. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à la suite, hein, si vous perdez, par exemple? Ouais. Dans tous les vous cas... Vous ferez quoi, Mathieu? Moi, dans tous les cas, j'aimerais continuer dans la musique. On verra ce qui s'en suivra, hein, de cette aventure. Mais ouais, j'aimerais vraiment, vraiment travailler là-dedans, quoi qu'il en soit. Vous avez été repéré, contacté déjà ou pas? Ça, je sais pas. Vous voulez pas le dire? Non, je dis pas. Et vous, MJ, si jamais ça n'était pas votre jour ce soir? Je faisais de la musique avant, j'en ferai après. Hein. Voilà, on va pas. Vous retournerez au modélisme? On a vu que vous faisiez des robes de mariée. Non, parce que j'ai arrêté de toute façon il y a 3 ans pour faire de la musique. Donc je vais pas reculer, quoi. Je vais pas retourner à ça. Je me suis mis vraiment en danger pendant ces 2 années où j'ai quitté mon métier. Mais j'en ai trouvé un qui me correspondait beaucoup mieux, quoi. Voilà, je suis chanteuse, je crois que j'ai resté un bon moment. Merci beaucoup d'être venu au Figaro et on vous souhaite donc le meilleur pour ce soir. On va vous dire que le meilleur gagne finalement. Yes. Merci. Merci à vous.